Ne vous y trompez pas, nous sommes bien ici au CAS de Parakou où se déroule la phase départementale Borgou Alibori du championnat béninois de taekwondo. Après les étapes de pesée, les taekwondoïstes venus des différentes villes des 10 départements se sont affrontés sur le tatami du dojo de Parakou. À l'issue des nombreux combats opposant ces amoureux des arts martiaux dans différentes catégories de poids, aussi bien chez les hommes que chez les dames, la délégation devant représenter le Borgou Alibori à la phase nationale du championnat prévu se tenir en septembre est connue. Heureux de leur performance, ils ne perdent pas de vue leur mission. Je pense que ça fait du bien d'être un champion et c'est le fruit de nos entraînements qui ont fait que aujourd'hui je suis un champion. Je promets de toujours redoubler d'efforts pour bien garder ma place. C'est un honneur qui m'a été fait et je suis vraiment fier de ce qui s'est passé ici tout à l'heure parce que j'ai pris tout mon temps pour me préparer pour cette sélection. Je m'étais vraiment préparé psychologiquement comme physiquement et j'ai donné le meilleur de moi et je suis sorti. Je suis vraiment épaté, sincèrement. Une fois arrivé là-bas, je suis certain que je ferai tout pour être toujours champion, pour garder ma place, pour revenir avec les médailles qu'il faut. Encouragé par la détermination et la technicité dont ont fait preuve ces combattants, le président de la Ligue de Taekwondo Région Borgou Alibori a saisi l'occasion pour exhorter les taekwondoïstes à plus d'entraînement. Rien n'est perdu en combat. On se forme en combattant. Comme le disait quelqu'un, l'échec n'est pas une fatalité. Après l'échec, il faut travailler pour élever le niveau. Il y a des Open qui sont en cours de préparation. Donc, je vous exhorte tous à redoubler d'ardeur, à travailler encore plus intensément pour mériter, surtout pour ceux qui ont été retenus par catégorie, pour mériter votre place. Tenu ce 1er août, jour de célébration de l'indépendance du Bénin, cette compétition a également connu le soutien de la Fédération béninoise de taekwondo, représentée par le président de la commission arbitrage, ainsi que d'une délégation de la Ligue Atakora Donga de taekwondo. L'arbitrage qui a eu lieu ce matin est au-dessus de la moyenne. Les arbitres, ils ont été bons, ils ont été loyaux, ils ont été impartiaux et ils ont donné les victoires aux gens qui les méritaient. Nous sommes venus prendre de l'expérience, voir comment est-ce que le championnat régional de notre sœur Ligue Borgou Alibori se mène et prendre des acquis pour pouvoir mieux organiser la nôtre. Je vous remercie. C'était du beau boulot, les gars. Rendez-vous est donc pris le 15 août prochain pour la phase départementale du championnat béninois de taekwondo prévu se dérouler à Djougou, la belle cité des pétonniers.